Monsieur Léo, bonjour. Bonjour monsieur. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bien, nickel. Et avec Jean-Luc, évidemment, les caméras sont lancées. Et ben, il n'y a plus qu'à lancer le moteur. Et on est parti. C'est un peu chaud quand même. Un peu chaud. Voilà. Alors, l'après-vol est effectué. La barre de traction, il n'y en a même pas. L'horamètre, je ne l'ai pas noté. On a dit, c'est 88 heures. Et combien ? 12 minutes. Ouais, bon, j'ai 11, 12. Bon, 11. On verra avec OpenFire, mais je pense que c'est 11. D'accord. Bon, je mets 11 ou plus, il est 14h, 13h. 20 quelque chose. Les sièges sont verrouillés, le frein de parc en pression est serré, les volets rentrés symétriques. L'essence, alors, ah ben tiens, justement, tu vois, bien fait de vérifier, on est sur droit. Alors, comme je vole pas souvent sur XO, ok. Donc ça sera aussi l'occasion de faire la procédure de transfert, ça, je ne fais pas si souvent que ça. Sélecteur essence, hein, sur l'aile la moins pleine. Ah bon, sur l'aile là. Bon. Réchauffage carbu. Ouais, normalement tu mets sur l'aile la moins pleine. Bah là elles sont pleines toutes les deux en fait. Ouais. Pleines les deux ? Bah la moins pleine c'est peut-être celle de droite. Et c'est pour ça qu'elle est à droite alors. Voilà. Ils ont éteint, ils ont fermé sur la. Ouais. Donc sur l'aile la moins pleine a priori. Je vais regarder, c'est bon. Mais bon. Et mixture. Allez en haut. Toutes les servitudes sont off. Les disjoncteurs. Ouais. Et de l'autre côté. C'est bon. Nickel. Contact batterie, il est sur on. On est 4, 4 et 4. On a le plein. On tient le bazar. L'autonomie, bon, on l'a calculé, on part pour un vol d'une heure et demie. Ouais. Donc là, on est largement bon. Test, très bien. Valise de détresse. Alors, valise de détresse, c'est lui, elle est là. Elle est dans sa position habituelle. Anti-poltron. Verrière tirée non verrouillée. Ceinture non attachée. Pompe sur on, j'ai les pieds sur les freins, manette des gaz, on est 3, 1, 2, 3, 4, 5, et il y a un truc qui est dur en train de muter sur celui-là, poussé 1 cm, magnéto sur rose, les pieds sur les freins, personne dégagée, 3, 2, 1, Sunset 19 5 ITC, information, God, thank you. On check la radio tout de suite, la pression, elle est montée dans le vert. Attention, escalière, 5 km, température, unité 9, QNH, unité 0, unité 6, coucher du soleil, 19h55 ITC. Informé Lani, au premier contact, vous avez reçu l'information, Golf, merci. Good day, this is Lani, information, Golf, recorded at 1100 ITC, Venue News 08. Caution bad hazard, wind 170 degrees 5 knots, visibility more than 5 km, temperature 19er, QNH 1016, sunset 19er, 55 GTC, inform the initial contact, subsid, information, Golf, thank you. Ok, c'est bonjour, ce que j'avais noté tout à l'heure. Bonjour, c'est l'information Golf, enregistré 11h UTC, piste en service. 118. Pisse. Voilà, 122. Attacher ta ceinture, Jean-Luc. Non, j'y vais. Donc pour l'audio de Jean-Luc, tu m'entends bien ? T'entends très bien. Et moi aussi. Tout pareil, je reçois 5. Et un reçu également. Là, t'as vu comment ouais. Alors au début, ça vibre un peu, c'est normal. Ouais. On fait avec. Ça dépend des avions. Voilà, je suis bien attaché. Donc, après la mise en route, l'alternateur, ça je l'ai eu, pompe off, feu de navigation.
on va tout mettre. Voilà, encore coup. Oh non, aujourd'hui ça va, mais bon. Hop, 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 hop. Dépression gyro. Ouais. Et bon, ça je le ferme, j'aime pas que ça me souffle sur le nez. Donc, le GTN. 164 litres. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il a dû le mettre sur le plein, il a consommé une demi-heure. Ah, on va quoi, une demi-heure, ouais. Demi-heure, bah finalement, ça fait 20 litres. Ouais, ouais. Donc, pour lui, c'est logique. Donc, on a dit qu'on mettait pas de flight plan. On en profite. Non. Radio, la noté, tout ça, c'est fait. Pinu, bon, j'ai mis en pied. Barreau, 1016, on a le bon. Et aussi à 340, là, c'est nickel. Nature armée attachée. Radio. Je maintiens pour okay, bon, Fox, on a trois pistes de dégager s'il y a réalité pour faire du plus. On relève au quitte au parking, Fox, on a trois. Dernier sol de Fox, X-Oscar, bonjour. X-Oscar, oui, bonjour. Dernier sol de Fox Golf, Mike, X-Ray, Oscar, DR400 au parking Freddy Lecointe avec l'information Golf, 3 personnes à bord pour un vol d'instruction en secteur Est d'enroulage. Fox X-Oscar, on la 37-20, vous les points d'attente, 26 du rappel. 37-20, je rappelle, près 26 tur, Fox, non, voilà. 26 Fox X-Ray Oscar, pardon. Okay. Pourquoi j'ai marqué tout à l'heure j'ai marqué 0-8 moi tu vois. Bon ben comme quoi. Confirmé 26 dur Fox X-Ray Oscar. Négatif, 0-8 dur. Eh bien 0-8 dur X-Ray Oscar. Ah bon je me dis aussi. Alors, hop là, et oui. Deux freins. C'est bon pour les deux freins. Alors, virage à gauche, les câbles diminuent, la bille à droite, l'horizon stable. On refait un deuxième essai. Ok, c'est bon. Le palonnier, il est gauche, il est dur là. De quel côté de... À gauche, essentiellement. Tu regardes ? Dans la droite ? Ouais. Ouais, je trouvais qu'il était un peu dur, quoi. Il y a peut-être un petit point, ouais. J'en avais remarqué un jour aussi. Voilà, 1000 tours. Donc ça serait une mise en route à 25. Ouais. À droite, les caps augmentent, la bille fout le camp à gauche, l'horizon bouge pas. Là, il fait beau. Il fait beau là. Tu vois que dans le sud-est, il fait moins beau. Ouais. Donc le vol d'aujourd'hui prévu, c'était Nancy. Ah, clairement, c'était pas une bonne idée. Donc c'est pour ça que, finalement, avec toi, ça serait une bonne chose. Pour une nave d'exercice, en quelque sorte. Hop là. Voilà. Voilà, centré. On remet 1200 tours. On est bien sur les freins. Et on a mis ça. Entre 3 et 4 tout de suite. Donc les essais moteurs. Alors, roulette, on est dans l'axe, le frein de parc est serré, sélecteur, cure centrale, alors on met la pompe. Ouais, à chaque changement de réservoir, c'est un bon réflexe de mettre la pompe. Bon ben génial, ici, parce que de toute façon on va la mettre. Ouais. Bon, remarque, non, on va faire tout dans l'ordre. Alors, sélecteur sur le central, pression est bonne, température elle va grimper, la pression d'essence, hop, les commandes sont tenues, les pieds sur les freins, allez, on se met à demi-tour. Et Fox, 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 Fox,
Donc 200 tours du coup là, au lieu de 150. Vas-y, ouais, remets là. Un poil point de 200. 2000. 180 tours là. Ouais, remets là. Ouais, c'est bon ça, allez. On est revenu gentiment. Faible. De 600, 700 tours stable, pas de boom. Non. Après 200 tours, bon, enfin 180 tours, ça me choque pas, c'est pas énorme encore. Enfin, c'est beaucoup, mais ça va. Surtout, ce qui est étonnant, c'est que ça a été blam. Ouais, direct. Comme ça, d'un coup. Là. Bah, en fait, la porte s'ouvre super. La porte s'ouvre en grand et d'un coup. Donc, d'accord, donc en fait, ça fait vraiment un effet de. Ouais, ça fait vraiment réchauffer. Si jamais on givre. Et qu'on a vraiment pas de bol, quoi. Bah, si jamais on givre, on peut la tirer, on peut avoir confiance, elle va fonctionner. Ouais. Et donc, je crois que j'ai givré tout à l'heure, donc. Ah oui. Attends. Ouais, bah ouais, il faisait. Ouais, c'était bizarre. Ouais, effectivement. Donc, fin de. Moteur avant le décollage, on a maintenu, les magnétos sont bien sur BOSS. Je te donne ça, tu me la donneras tout à l'heure. Quand on sera après fonté, même après faire batterie donc sur ON, magnéto sur ON. Charge, j'en ai bien dans le vert et pas qu'un peu. On est même limite rouge là, rarement vu aussi. Réchauffe carbuge limite repoussé, la mixture est toujours en haut, l'essence on est sur le central, horizon artificiel de secours, là. On est à 340 000, on est bon, commande. Gauche. Ah, allage, ok. 200 tours, compensateur réglé sur nœud donc entre 3 et 4. Ceinture harnais attachée devant, derrière. Pompe sur ON. Volet 1 temps. Gauche droite. Derrière tiré. Et verrouillé. Celui-ci il est là donc on le bougera tout à l'heure. Ouais. Pression d'huile toujours bonne. Ah voilà. Température est bonne, pression d'essence, décollage, etc., etc. Bon, alors, bon, briefing, décollage. Alors, attends. L'Angle du Fox Hotel Delta Yankee Nova, bonjour. Bon réflexe. Donc, on va à Fontenay-Trézy. Donc ça tombe très bien, on est sur la route. C'est même 130, là, donc vitesse de rotation 54, montée initiale 70, normale 80, mais sur XO, je sais qu'on monte rapidement à 90. Bon, il a la patate. Hein. Vitesse de finesse, justement, c'est ce que je voulais vérifier. 81. Voilà. Donc je l'ai dit, on cherche 1500, etc. Sécurité. Donc, en cas de panne, en cas de problème quelconque, avant la rotation, on freine, adapté, sort en bout de piste, on devient tour. En cas de panne mineure après la rotation, on revient en main gauche pour se poser sur la 08 dure avec un panne au contrôle. En cas de panne majeure après la rotation, on rend la main, donc 20 nœuds, atterrissage d'urgence, secteur avant, mayday. Ouais. Alors, si je peux te filer un conseil sur les... si jamais tu as une panne réelle, oublie la radio, fais le minimum, fais le minimum de radio, sauve-toi d'abord. Et ce que je disais, en général je lui dis mayday si on a le temps. Ouais. Donc vraiment la radio, tu. Si jamais ça t'arrive un jour, tu verras si ça que. Si ça se passe, c'est vraiment. Ouais. Voilà. La radio c'est le truc qui arrive en dernier. Faut faire voler, te sauver. Donc ici, y a pas de. Ah si, y a un petit peu de vent là-bas, j'ai rien à pas ici. Un petit peu de la droite. Donc un petit peu de la droite, on était sur ok. Et en cas d'alpha et de hauteur, justement, le terrain il est derrière là-bas dans l'axe. Si on est trop, si on est assez haut, c'est bon, sinon c'est les là. Ouais. Voilà. Il n'y a pas. S'il y a des oiseaux, toujours. Rien de particulier en plus. Il n'y a pas beaucoup de vent. Il fait combien 19 degrés. Non, 22 degrés. Oh, bon, moi par principe, j'aime bien faire un décollage puissance sur frein. Donc on va faire ça comme ça et on verra justement comment il décolle. Et on a un avion qui arrive en finale. Donc on va attendre et on est prêt. Rien de plus à dire, c'est bon pour toi. Ah non, c'est bon pour moi, donc j'ai pas de questions. Donc on va faire comme ça, donc Fontenay-Trézy, La Ferté-Gaucher, César.
Je suis prêt. Logne sol du Fox X-ray Oscar, point d'attente 08 dur, je suis prêt. Fox X-ray Oscar, maintenant en point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. J'abattais le point d'attente 08 dur, je veille la tour 118 décimal 6, X-ray Oscar. Je crois que j'en ai plus trop besoin. Il y a quand même du vent. Fox X-ray Oscar, la tour, bonjour, alignez-vous piste 08 dur et attendez. Bonjour, je m'aligne 08 dur et j'attends Fox X-ray Oscar. Et celui-là. T'entends le... Ouais. Le petit truc là. Ouais. D'accord, on l'entend plus. C'est la maladie des DR400. Ouais. Le faisceau et le câblage des fois. Bon. Avec l'anticol. C'est bien pénible. Ouais. Alors, on s'aligne, on la sous les fesses et au loin... un peu, voilà, là. Et là on est sur du 0,80 j'allais dire, 200 tours. Fox X-ray Oscar, piste 08 dur, autorisé décollage en 170 degrés 5 autorisé décollage 08 dur, Fox X-ray Oscar. Et il est 38. On a des puissances sur frein. On est dans la limite rouge, on a toute la puissance. On décolle, talon plancher, pas d'alarme, le vent de droite, badin et petit vin, 48, 50, 54, légère, ah ben voilà, on est déjà à 70, c'est pas la même patate que les autres. Hein. Ah non, c'est beaucoup mieux. Ouais. Regarde. Ouais, mais à la rigueur, tu vois, on est rapidement, plus rapidement encore ici en haut de piste, quoi. Ah oui. Donc on est sur du 80 et je tire déjà sur le manche comme un abruti. Ah, finalement, c'est du 80 nœuds. Ah, voilà. 90 nœuds, on fait gaffe, on rentre les volets. Plus de pompe, hein, on est 800 pieds, donc plus de pompe, plus de volets. Tu voulais mettre celle-là Ah oui, tout à fait, ouais. Bon, mais c'est bien, comme ça on a vu le pilote qui décolle pour une fois. On est 980 pieds. Et haut. Donc j'ai dit 38 au décollage. Ouais. Ouais, c'est plus impressionnant la montée là. Et on se fait pousser ou quoi là? Non. 400. Ah, moi je m'arrête à 1480, 60, c'est bien. ...2500 tours. Fox X-ray Oscar, eh bien gardez 7000 transpondeurs, quittez à tout à l'heure. 7000 on le garde au transpondeur, à tout à l'heure X-ray Oscar. Tu as vu pourquoi il t'a dit gardez-le? Ben oui, parce qu'on n'a pas mis de transpondeur. Et, oui. Et j'ai pas souvenir qu'il en ait donné un. Il a donné 37-20. Ah, 37-20, mais perdu, alors. On s'est pris une superbe interruption de tâche. D'accord. Qui fait qu'on l'a oublié tous les deux. Ouais. Je viens de m'en rendre compte. Hein. Ouais, ouais, mais quand on a décollé, j'ai vu ça. Je vais être honnête. Bon, eh ben on est sur X-ray Oscar, donc on affiche du 120 là. On a la bille quasiment au centre. Fonction qui nous vendre la tour, bonjour, alignez-vous piste 08 dur, autorisé décollage, vent variable sud 89. Autorisé alignement décollage, piste 08 dur, fonction qui nous vendre. 13h38, voilà. Donc, la prochaine, 126 unités. Alors, réfléchissons un peu, on va là-bas. Machin. Alors, c'est pas mon log habituel.
J'ai fait ça rapidement ce matin. Ça sera un 0,77 à partir de... Vers la Ferté. Fontenay-Trésilly. Alors on va sur Fontenay-Trésilly sur du 120. Et après la Ferté, 0,77. 0,77. Ouais, c'est cool. Voilà, 1400 pieds, ça me plaît bien. Voilà. Les caméras ont l'air de fonctionner. La celle de gauche est nouvelle, elle ne me gêne pas, donc tout va bien. On bascule. Fox Golf X-Ray, Mike Victor, Paris. Et je monitor. Fox Golf X-Ray, Mike Victor, solo, Paris. Alors normalement, il y avait 6 minutes à peu près, donc 44, on est dans 2 minutes. Ah ben regarde. Et puis le poil devant, là, on est pile dans l'axe là. Ouais. Il n'y a pas d'activité. Donc de toute façon, je me mets au nord. Hein, évidemment. Ok. Ah bah, j'allais te poser la question. Comment tu... Là, c'est pas la peine d'aller gérer une verticale, même si c'est 200 pieds en dessous ou 300 même. Ouais. On peut prendre ça. En revanche, est-ce que tu... dans le village qui est devant. Ouais. Exactement. C'est la deuxième... C'était la deuxième question. C'est Mike Victor Solo, Paris Information. Paris Info, c'est bon ? Ouais, vas-y. Paris Information du Fox X-Oscar, bonjour. Fox X-Oscar de Paris, je vous écoute, bonjour. Bonjour, Paris Information du Fox Golf Mike X-Oscar. DR400, 3 personnes à bord, départ de Lognes pour un vol secteur Est. Navigation Cézanne, Épernay, Château-Thierry, donc avec vous en partie. 1500 pieds pour en fréquence avec vous. Reçu, vous vous reposez à Lognes ? Oui, retour à Lognes. Reçu, transpondeur 7011, 70 unité 2 fois. Ça, je le prends. 7-0 unité 2 fois, Fox X-ray Oscar, et en fonction de la position du Mike Victor, si vous voulez un relais ou quelque chose. Non, je vous remercie, c'est gentil, il est totalement de l'autre côté de la région parisienne. Eh ben, bon courage, X-ray Oscar. Merci beaucoup. Ok, a priori pas d'activité, personne en tour de piste. Eh, c'est bon ça, 125 là. Ouais, c'est génial, X-ray Oscar pour ça, c'est bien. Alors... Donc on a dit première route, 77, Mike Victor Solo, Paris Information, est-ce que vous me recevez? Je vois toujours personne. Moi non plus. Fox X-ray Oscar, Paris, vous êtes identifié radar. C'est reçu, merci. Paris Info de Fox, va au Québec pour vous quitter Montalivo, passer avec Château-Thierry. C'est temps d'aller voir un petit peu le terrain quand même. Bravo Québec, vous vous pouvez à Château-Thierry. Il y a un avion qui est aligné sur la piste. En fait, je fais une intégration d'exercice et puis je repars à l'année. Alors vous gardez gaffe à ton avis du coup. Vous me quittez juste le tour de piste étant assez. Je garde le transpondeur et je quitte la radio Fox, va au Québec, merci. C'est parfait. Allez, on vire, j'ai vu personne à gauche. Yes, tu vois, il est au décollage. On va en profiter un peu alors. Ah ouais. Trop tard. Allez hop, 0,77. Fox Rod Golf X-ray, Mike Victor Solo, Paris Information. Donc on a pris les 46. Donc 7 minutes. 53. Ok, bon bah pour l'instant on est dans notre bac à sable, alors je te parle pas beaucoup. Ouais, bah je ouais. Te demande pas trop de trucs. D'accord. Et un petit peu plus loin ça va être rigolo. Ok. Avec les... Quand on va être un peu perdu là. Ouais. Enfin pas perdu mais... Ah bah j'espère bien que non, c'est le but. Non mais entre la Ferté Gaucher et Cézanne c'est assez c'est vide. Ouais, tout à fait. En fait le seul truc que j'ai lu c'est que sur la ligne droite, on va juste avoir la ligne d'Épernay. Exactement. Ouais. Donc en fait, hop, hop, on se repositionne. Donc là on voit qu'on est en train de franchir la barre des... Enfin, le passage des 1500 pieds là.
Roger, sir, you switch frequency to your destination and you scope 7000, goodbye. Thank you very much, Fox, Charlie. Ah, 1600 pieds en minute. On entend, on sent dans les oreilles, Jean-Luc. Ouais, de Fox, Charlie, bonjour. Voilà, 2000 pieds, je vous rappelle. On reprend sa vitesse, on touche à rien. La station ayant appelé Paris, je vous écoute. Attention, juste à des tours, on regarde les tours. Fox Hotel Tango, j'ai un transfert de personnes à bord en provenance de Fontaine-Tristan. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il était proche. Entre le sol et avec des 120 chevaux, tu vas pas l'avoir. Tu vas l'avoir qu'en descente et vraiment quand tu vas la chercher. Avec des 160 ou des 180 chevaux, tu vas vite faire arriver au trait rouge. Mais c'est bien. L'idée de garder la puissance pour accélérer, c'est bien. Eh bien, Foxtrot Charlie, je vais vous demander... C'est opérationnel, quoi. Tu vas pas perdre ton temps. 70, 12 à 3 secondes, Fox, j'ai de Charlie. Par contre, là, je sens qu'on n'a pas récupéré encore la vitesse, donc je tire sur le manche. Ouais. Je monte en même temps, ça va pas le faire. Alors, on a Kulo à gauche. Oscar Delta 9 North, ouais. Reste à 2100. 2100 ? Ouais, j'aime bien les... Pourquoi? Parce que c'est pas une altitude ronde. On vole tous à 2000, alors on vole tous à 2100. Ça peut sauver. D'ailleurs, une fois, on avait un minute sans pied, ça nous a permis de passer sous un avion. À 500 mètres. Thank you, sir. Goodbye. Donc j'avais dit hop là, 53. Ouais, et ce que je te propose pour t'aider, Foxtrot Golf X-Ray Mike Victor Solo de Paris Information, comment me recevez-vous? Et ça. Comme ça tu vois, t'as les chaussettes, ouais. Tu te mets dedans. T'as la pinule de heading et la pinule d'altitude. Ouais. Et comme ça tu te mets dedans, c'est plus facile pour ton circuit visuel. D'accord. Et ça te libère 10% de cerveau, 10% de capacité pour faire autre chose. D'accord, ok, ouais, t'as juste 1000 cm. Ah ouais, c'est rien de sorcier. Mais au moins tu sais, tu te mets ton objectif, et après tu sais, je suis un petit peu au-dessus de mon objectif, je suis un petit peu en dessous. Et ça... Votre Charlie, vous êtes identifié à... C'est vrai que celui-ci, je l'utilise jamais. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de monde en fait. Je vous l'avais dit, mais vous êtes identifié à l'heure. On était identifié, Oscar. Excuse, je l'ai pris. Non. Le réflexe. Oscar, midi, vous avez un appareil faisant route droite, gauche, 300 pieds haut pour 4 nautiques. C'est reçu, Fox, c'est Oscar, on regarde. Merci. La visualise, Oscar. Il est alors, les yeux. Donc, tu vois, t'as le village là-bas, t'as la forêt. Ouais. Il y a un village, il est au-dessus, mais il est croisé de loin, hein. Il est. C'est vraiment un tout petit point. D'accord, non, je le vois toujours pas. Tous les nuages, j'imagine. Il est dans tes 11 heures maintenant. Entre 11 et 10. Droite, gauche. Encore plus à gauche. Mais il est tout petit. Mais il est super loin. Bah, il est non, novembre 121, Hôtel Tango. Bah, je le vois plus. 121, Hôtel Tango, Paris, je vous écoute. Ça va? Gagné. Devant, là. Ouais. Donc la route suivante pour aller à SZ-090. On va monter un hôtel Tango de Paris, je sais pas. Je crois que je l'ai aperçu, ouais, c'est visuel. C'est ça. Ok, et ben prochaine route du coup 97, ici. Paris Info, hello from Lima X-Ray Alpha Victor Golf. 2100 pieds.
On observe. Bon, là, évidemment, avec le circuit qui est à côté, ça le facilite les choses. 28AP, 4 persons on board on the EVA flight from Auxerre to Luxembourg. Emmanuel Togos. Dommage, parce que je t'aurais bien fait passer au-dessus des nuages. 7013. Mais le problème, c'est qu'on arrive dans une classe éco. Ah oui. Ok, 7013, Emmanuel Togos. Bon, il reste plus que 10 degrés à prendre. And Lima Victor Golf, when you say Luxembourg, you mean Lima Lima X-ray? Echo Lima Lima X-ray, correct, Lima Victor Golf. That's copied, thank you, sir. Lima Victor Golf, please can you open our flight plan? Je vois personne, d'ailleurs, j'ai jamais vu personne de voler sur ce terrain. Il est restreint. Ouais. Et ouais, bon, y a pas grand monde en général. Peut-être une fois, il y a très longtemps en formation. Il me semble qu'il y avait quelqu'un sur la fréquence. Et c'est quoi la fréquence du coup? Les mecs, c'est 122 Golf, c'est 123 à 35. Your take of time. Please, can you repeat the noise above? It's time of departure, your take of time. On okay, est déjà à 101 degrés. Bon, je vois bien. 11:50 Zulu. En profiter, c'est rare. Lima Victor Golf. Et il est 53, c'est magique, on prend 97. On est pile à l'heure? Pile à l'heure, ouais. Parfait. Bon ben, on cible là-bas, le truc dans la forêt avec une espèce de languette. Oula, attends, je sais pas... La forêt, quoi. Ouais, au fond, là-bas, en fait. Ok. Donc faut faire attention, puisque j'ai vu sur la carte, il y a la ville de Pernay, là. Ah, rien, c'est bonjour. Tu te souviens le jaune, c'est quoi les hauteurs de survol? Alors il y en a deux jaunes en fait. En fait il y a trois jaunes de l'Europe, 1700, ouais, carré et les autres fois, 3003. À bord en provenance de Juvencourt et à destination de Saint-Cyr-l'École. On est au alors, sud ce du bord de RDP. La carte OACI par défaut de CVFR, c'est pas exactement la même norme que sur la carte OACI, 500 millième. Tu sais que c'est jaune mais tu sais pas laquelle c'est. Attends, je crois pas... Je l'ai pas SDVFR. C'est pas SDVFR ça? Non, c'est un autre. D'accord. Moi j'ai la 250 000 de... D'accord. Oui, alors même sur la 250 000, c'est les couleurs, mais c'est pas les mêmes codes que... Comment dire? Que l'OACI 5500. 500 millième, pardon. En gros les points c'est 1007. Ouais c'est ça. Quand la ville est marquée c'est 3003. Quand c'est orange, c'est en fait, 5000. En gros, ouais, c'est ça, c'est les petites villes, c'est 1007 et les villes de moyenne importance, c'est 3003. Donc 53, j'ai dit 9 minutes, ça fait 02. Fox Golf Sierra, bravo Québec. Tu peux passer la carte, Jean-Luc, s'il te plaît? Ouais. Merci. Alors, la carte, elle est où? Oups, c'est jeune. Voilà. Fox X-Ray Oscar, Paris Info. X-Ray Oscar, j'écoute. Est-ce que vous continuez longtemps à ce cap, monsieur? Ah bah jusqu'à Cézanne. Vous pouvez répéter, j'ai rien compris. Est-ce que vous continuez longtemps à ce cap? Oui, on va jusqu'à Cézanne et ensuite on montera sur Épernay. Alors je vais vous demander de contacter Saninfo 118.05. 118.05 pour Saninfo, reçu. Transpondeur 7000, bonne journée. 7000, bonne journée à vous aussi, Fox X-Ray Oscar. 1000. 7000, bonne journée, Fox X-Ray Oscar, merci. Ok, merci. Merci à vous. Paris Info, novembre 121, Hôtel Tango, bonjour. Je corrige rien. Novembre 121, Hôtel Tango, Paris, je vous écoute. 118.050 avec Seine. Ouais. Bravo, Roméo, vous pouvez quitter tout à l'heure. Que j'avais dans ma note, tu vois. Et novembre Golf identifié, je vous signale de planeur et voltage planeur à Pont-sur-Yonne. 02. C'est bien pris, Fox Novembre Golf. C'est un peu depuis la pièce, bravo Roméo, fin de parachute le samedi. Bravo Roméo, si vous me recevez, je confirme, vous pouvez quitter la fréquence à tout à l'heure. A tout à l'heure, monsieur. Ah bah justement, tiens, on a la ligne haute tension qui est juste en dessous, donc on est là. Est-ce que t'as la fréquence de Cézanne?
Cézanne, ouais. Alors, Cézanne, Fox, c'est... Pardon, 123. Fox, Charlie, Sierra, ce serait pour quitter. On est en vue du terrain de Le Mans. Roger, Charlie, Sierra, transporteur 7000, vous pouvez quitter, au revoir. Pleine information de Fox, X-Oscar, bonjour. Oscar, je vous rappelle, break, Charlie, Sierra, vous m'avez reçu. Fox Golf Alpha, Charlie Sierra, si vous me recevez, transpondeur 7000. Oh, t'as de la chance. Ah bon? Ouais, parce qu'il y avait un sup IP la semaine dernière. Ouais. Et je pensais qu'il était encore actif, mais en fait il est actif. L'appareil est en scène, qui prend Oscar, je vous écoute. D'accord, à toi. Tu m'appelles là? Ouais, c'est lui. C'est l'information du Fox Golf Mike X-ray Oscar, donc un DR400. Trois personnes à bord, décollé de Logne, destination Logne. Pour une navigation secteur est, on va aller se faire des touchés sur Cézanne, Épernay, Château-Thierry. Donc en fréquence avec vous, on est 2000 pieds. Reçu X-ray Oscar, eh bien je vous laisse passer avec mon collègue 78-890 s'il vous plaît. Pas compris. Avec votre collègue 118-890 Fox X-ray Oscar. C'est correct, merci. En fait, c'est lui. D'accord, donc on recommence alors, tout pareil. Ben info, hello from Lima X-ray Alpha Victor Golf. Regarde, on est à 5 minutes. Ouais, t'as pas envie de contacter le X-ray Alpha Victor Golf, good. 5.28 AP. On est en classe éco. On contacte pas obligatoire. Ouais. Concentre-toi plutôt sur l'arrivée à Cézanne. Ouais. Alors justement, Jean-Luc, tu peux me passer la première carte, s'il te plaît. Lima Victor Golf. On va plutôt les contacter au retour. Ouais. Mais Donc on est 123.5 déjà. Bah, ouais. Donc là on a la ville bah, justement des Pernets. Ouais. Pernets, c'est ça. On frôle. Donc on va se remettre juste après à gauche sur le 0.97 comme prévu. Et on va arriver bien au sud. Oh, la taille des silos. Ouais. Énorme. Ah, il y en a quelques-uns là, des... Des quintos. Je sais pas combien ça peut faire là-dedans, mais bon. Ouais. Voilà, on va dire que je me suis remis sur l'axe initial. Et on reprend 0.97. Voilà. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Non, c'est toujours pas ça. Non. Ah non, non, on n'y est pas encore là. Oh. Mais je veux te l'enlever de là. Ah. Voilà. Ok, donc on a quelque chose qui est une ville à gauche. Donc sans doute, ben justement, Cézanne. Donc on va arriver, on est sur une 06 gauche référentielle. Elle est juste là, donc on va faire une verticale. On a un vent a priori, de toute façon on est sur l'axe ouest, enfin vers l'est. Hein. Donc ça sera bien celle-ci en principe. À vérifier que c'est ça. Vérifier qu'il y a quelqu'un ou personne sur le terrain. On est à peu près à... J'avais dit à 02, donc on est à 2 minutes. On va pouvoir contacter tout le monde. Cézanne du Fox X-ray Oscar, bonjour. Cézanne Fox Mike Golf Mike X-ray Oscar, DR400. On est 2 minutes à l'ouest de vos installations, 2100 pieds. Je rappelle terrain, j'ai le terrain en vue, je rappelle vertical pour reconnaissance intégration. Le terrain il est là. A priori. Hein. Alors. Comme ça là. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu vas faire ton intégration? On arrive par le nord-ouest. Donc on arrive, bon, gros, on arrive comme ça, hein, par l'est. Ouais. Donc j'arrive, je m'aligne, je vais ralentir dans pas longtemps. Observer, faire ceci. Ouais, tu t'attends. Conforme, crac, je viens à droite, etc. Ok, tu t'attends à 0. Donc on est à 1400 pieds, donc on passe à pas à moins de 1900 pieds. Ouais. Et puis je commence à ralentir en fait. Et sinon, ouais, c'est un poil rapide. Mais bon, le temps qu'on perde la vitesse, on va perdre un peu d'altitude, tout ça, on va se la faire tranquille au bilou. Géré. Saint-Quentin, après Québec, on est à 2000 pieds pour CTE. Main droite, main 2 dans 30 secondes. A priori c'est pas ici. Non.
Donc voilà, alors, donc on a quelque chose qui ressemble à un terrain, des hangars, ok, donc c'est ça, il n'y a pas de doute. Hein. Exactement. On en remet à demi-tour, 97 nœuds, pas la peine d'être trop lent non plus. Donc sur X-ray Oscar, on fait gaffe à la plage rouge qui est là. Et on arrivera à l'heure, peu de choses près. 840. Alors parlons, il y a une ancienne base militaire là. Marigny. Le terrain de Marigny, il est un peu plus à droite là-bas, je crois. C'est plus haut exactement. Enfin, il est dans l'axe comme ça. Ouais. Bah, ça se voit, il se voit bien parce que. Ah, tiens, il est là. C'est le truc, c'est la forêt là qui est. Tu sais, ça fait un Z là. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Ils ont mis des... comment ça s'appelle? Des panneaux solaires dessus. Ah oui, bah c'est comme. On était à Londres, on était pareil sur la base qui est à l'est. 800 pieds, un peu bas. Alors. C'est vraiment infernal ces fréquences poubelles là, 123.5. Ça devrait être interdit. César du Fox X Oscar, on est 1800 pieds, juste à gauche du terrain, reconnaissance intégration. Pour un toucher. Ah, ça y est, ok, confirmé. Un visuel sur la biroute. Elle est, oh, peut-être, je dirais pas qu'elle est bien horizontale, mais enfin, elle, a, enfin, elle est comme ça, quoi. Je vois pas. Moins de 10 nœuds, tu vas la voir dans pas longtemps. Ah ouais, je vois rien du tout. Je te laisse faire, je te fais confiance. C'est à peu près, c'est cohérent. Ah, c'est ça. On dirait, ah, ouais, alors, ouais, alors en fait, non, elle est même légèrement de droite, tu vois. Ça serait de travers, 5 nœuds de travers. Allez hop, ok. Pagabec descend, ça s'est fait. On va éviter le village, on va chercher la forêt là-bas. Quoi ? En début de vent arrière, du coup ? Ouais. Donc, là, tu donc on va descendre, voilà. Ben, je m'éloigne un petit peu. Ouais. Puis descends après. Voilà, et après je vais chercher comme ça la vent arrière revenir. Good. Donc 1400 pieds pour le terrain. Donc c'est ça du Fox X Oscar, on est passé vertical. 30 secondes d'éloignement pour une insertion début de vent arrière pour un toucher sur la 06 gauche, donc vent droite. Alors, on va chercher le champ avec la forêt qui est au milieu, là, en gros. Et on passera à droite de la ville. Ouais, pas mal. À gauche. On cherche 1400 pieds. On voit personne. Hop. Hop, on réduit. Bon, il est même carrément parce qu'on est à 110 nœuds finalement. Sur encore de Fox Golf, il y a Kilo Golf, on s'en passe sur deux circuits. On quitte la fréquence 4 vers Saint-Ferricole, bonne journée et merci pour l'accueil. Voilà, et là, là. On est en traversier. Voilà. 700 pieds, 1700 pieds, pardon, on en a pris plein les oreilles finalement. La vitesse, mon petit trim, voilà, 1460. Ah ouais, c'est XO quand même, hein. Voilà. 20 nœuds, un cran de volée, la pompe. Un cran de volée, la pompe, le terrain il est bien, il y a début de vent arrière. Cézanne, X-Oscar, début de vent arrière, main droite pour un toucher sur la 06 gauche, Cézanne. Bon réflexe. Alors, ce que je me demande, tu vois, c'est qu'il y a un patelin qui est là. C'est toi, tu sais pas de quoi tu parles. Une autre tension. Là. Bon, c'est est-ce que je vais avant ou après? Avant, ça me paraît un peu short, donc je vais aller juste derrière le village là-bas. Comme tu veux. Et un peu remonter. Ligne de tension, tu sais. Faites soigner de tension, mais je les vois pas. Donc juste derrière en fait. Je les vois quand même pas. Allez, là. Ouais, non, ça fait un poil pris quand même. Ouais, si tu veux le faire comme sur le publié, ouais. Faut que tu réduises et que tu descendes en début de en fin de vent arrière. Non, on va le faire comme ça alors. Ah ben, ok. On essaye. Donc je réduis. Donc on a dit que le terrain il est à 355. Donc, je cherche 400 pieds. Un peu de sport et d'improvisation, c'est bien aussi. Ouais.
Cézanne, X-Oscar en base pour un toucher 06 gauche. Et Juvencourt de Zulu Alpha, on arrive en sortie de secteur. Merci à tous et à bientôt. Un petit cran un peu dur au départ là. Comme ta finale est courte, voilà. Exactement. Deux crans de volée, la pompe. 75 nœuds, c'est bien, on fait gaffe au virage, on met un peu de puissance quand même. Alors la gauche, elle est où la gauche? Ok, elle est gauche. 67 nœuds. Métrique. On réduit. Tranquille. Cézanne, X-Oscar en courte finale. On va toucher 0,10 gauche. 70 nœuds, vent légèrement de droite. Rappelant, bien, devant, de droite, bon. 30 nœuds, rien du tout. T'as vu? 55. Et il faut mettre du pied. Ah oui, dis donc. Montée initiale 70 nœuds, 180 nœuds déjà. César, Fox X Oscar en montée initiale sur la 06 gauche. Et on partira, il est 08. Ouais, tu m'en refais un? 22. T'en refais un? Ouais, refais-moi un, hein, s'il te plaît. Ok. On va pas aller jusqu'à Épernay? Si, ouais. Tu veux y aller? Ah, moi j'aimerais bien, ouais, parce que je l'ai pas fait souvent. Eh ben va à Épernay alors. D'accord. Devant, je l'ai fait qu'une fois au niveau de la formation. Ok, ça marche. Va à Épernay. Donc on est 400 plus 500, ça fait 800 pieds. 22 de montée initiale là. Je voulais voir un truc là, mais. On est 800 pieds. Double la pompe. On le verra à Épernay, t'en fais pas. Une volée, d'accord. T'as une petite idée intéressante dans les zones derrière la tête? Pardon? T'as une petite idée intéressante derrière ouais. la tête? Ouais. En fait, 0,34. On passe le village et on va à gauche. La réduit et arrondit très haut. Et réduit et arrondit un peu haut? Ouais. D'accord. Alors la réduction assez haute, oui. Et l'arrondi trop haut. Enfin, d'accord. C'est pas... Pas sorcier, t'as vu, ça l'a fait. Mais du coup, tu verras. Ouais. Au niveau de la vitesse, on a touché en dessous de 60 nœuds. En dessous de 60 nœuds, d'accord. Avec une approche à 70. Ouais. C'est-à-dire que, bah, en fait, on a... C'est trop réduit, on a réduit et on a arrondi. Et en fait, dans le laps de temps entre le moment où on a réduit et arrondi, où on était à 70 nœuds, et le moment où on a touché les roues, on était plutôt à 58. D'accord. Bah, du coup, là, on a perdu 12 nœuds. Et c'est ça, le flottement. Il est assez... Il y a eu un beau flottement, quoi. D'accord. Mais c'est pas grave, on va... Et au niveau des pistes, en fait, quand tu connais pas trop la piste et tout, t'as souvent tendance à arrondir haut. Ouais. Surtout quand tu viens de l'autre. Ah oui, parce que... Et tu dis, oh, elle est grande. En fait, non, elle est comme l'autre. D'accord. Alors, je vais chercher à intercepter mon axe de 0,34. Ouais. On a dit qu'il était 0,8. Cézanne du Fox X-Oscar, nous sommes en route pour Épernay, donc dans votre secteur, au revoir, bonne journée, bon vol. T'as un peu du champagne? Oh. Ouais, il n'y en a pas assez par là. Ok, 2200 pieds, c'est bien. Donc je vérifie, pas de volée, pas de pompe, pas de réchauffe. Hein. Voilà. Et alors c'est là où c'est intéressant puisque finalement on a décollé, on n'est pas exactement dans l'axe, donc il faut retrouver l'axe pour prendre la bonne route. Ouais. Ou t'en recréer une, comme tu veux. Hein? Ou t'en recréer une avec un point, un autre point tournant. Ouais. Après il faudra que je l'identifie sur la carte quoi. Ouais, c'est ça. Alors 2500 tours, deux compensateurs, on reste à 2300.
Donc ici, le truc qu'il faut penser, c'est qu'on a la CTR de Vatry qui est pas loin, elle est à 2005. Ouais. Donc si je veux pas prendre de risque, je mets à 2005. Mais en oui. principe, je passe, tiens Jean-Luc, on inverse, hein, et je prends la carte. Et... T'embêtes pas, t'as ton navigateur derrière. Ah bah oui, normalement il est à droite. Il peut compter sur moi pour se perdre. La trouée à droite, elle est sympa. De quoi? Il a trouvé à droite, elle était sympa. Ah, dans le... Ouais. Ouais, pour passer. Bah, le problème de passer au-dessus, c'est que... En fait, on a la classe Echo qui est à 3500. Ouais. Et c'est en cours de Fox Bravo Oscar, en fin secteur, avis. De quitte la fréquence. Bonne journée à tous et merci pour l'accueil. On doit être... À mon avis, on n'a pas assez d'eau de la quille pour passer au-dessus. Ah ouais. Et sans être en restant en classe Golf. Ah ouais, d'accord. C'est l'info de Fox Golf. On va faire que ça. Oscar, bonjour. Ouais. Jusqu'au moment où on va se taper la classe Echo et on n'aura plus les minima VMC. Là, si on était en classe Echo, bah, on serait hors des minima VMC par exemple. D'accord. Comme il nous faut. La première fois que je le vois à Vatry. Excuse-moi. Ah oui. D'accord, donc ouais. Donc dans ces cas-là, on fait simple, on reste. Voilà, en fait, en classe, dans les classes d'espace aérien, Echo, Delta, plus, on peut être à 1000 pieds verticalement, ouais, et 1500 mètres horizontalement des nuages. Là, tu vois bien que 1000 pieds, on les a pas, quoi. Ouais. Après, c'est les textes. Ah tu regardes, j'ai pas fait exprès mais j'ai vu que j'étais dessus, en contrôlant que voilà. Donc on a dit NFFZ. Donc 08 au départ, 11, ça fait donc 9. Hein. 9 et même un peu 20 puisqu'on a eu la montée initiale, on était pas en croisière. Bon moi je mets plutôt bon, 19 plus. Voilà. 2100 pieds, c'est bien, on le verra pas de trop loin. Et le prochain tour de piste. Alors c'est encore du 123.5. Ouais, et malheureusement. 04. Tour de piste à 1300 pieds, donc on est au-dessus. Hop, 43. Bon, après, je connais un petit peu, donc je suis pas complètement désarmé, c'est pas un terrain totalement inconnu quoi. Ok. Bah, on va monitorer. Bravo deux fois, j'arrive sur Ogmat. Voilà, tu vas t'embêter si tu monitors. Formation. Tu monitors 7, là on n'a pas fini. Ouais. Je n'ai pas de trafic connu ou détecté sur 3. Reçu, donc je cite la fréquence et je passe avec 3 auto-informations. Merci monsieur, au revoir. Bonne journée, bonne frappe, bravo deux fois. Au revoir. Seule information du X-Oscar, bonjour. Information de X-Oscar, bonjour. Ah, X-Oscar, bonjour. Donc c'est une information, le X-Oscar, nous avons redécollé donc de Cézanne, nous sommes en route et environ 6 minutes de Épernay à nouveau sur la fréquence avec vous. Je suis X-Oscar 70-40 au transpondeur et pour information, je vous avais pas tout à l'heure en radio. C'est reçu, donc on a 70-40 au transpondeur. Identifié X-Oscar. Bon, alors, on sait qu'on a la ville d'Épernay à côté. Ouais. Numéro 41, donc je crois même savoir où est le terrain, là. Tu le vois, là? Ah. Pas du tout. Pas du tout? Tu vois le village qui est en dessous, là? Ouais. Tu continues tout droit dans l'axe. T'as ouais. des champs, marron, un peu de vert, et ça devient vert, là-bas. Derrière, t'as une ligne de forêt. Et ben, entre le vert du fond et la forêt, on dirait que t'as une structure. Ça doit être les. Ça doit être le terrain. Ok. Bah regarde. Ouais.
Ouais, ça fait sens, mais j'ai pas... Ouais, je confirme, je l'ai déjà vu une fois il y a longtemps. On est passé avec Jean-Luc il y a... c'était quand? Début mai, donc il y a 2 mois. Non, il y a un mois, j'ai conneronné quoi là. Ah oui, enfin presque 2 mois. As-tu la carte de VAC? Ouais, en fait on arrivait par le nord. Est-ce que t'as la carte de VAC de Dépernay, s'il te plaît? Ouais. Comme ça il va me faire un petit briefing. Et... Merci. C'est cadeau. Donc on a une 04 préférentielle. Donc on est pour ainsi dire dans l'axe, donc on va, ça nous facilite les choses. On est sur un truc qui est en proie, bah ça y est, pas de doute, hein, regarde, un visuel là, il est là. Ok. Là, je reste à gauche du village. Et on va là-bas. À droite. Ouais, à droite du village, pardon. On reste bien à droite alors. Donc on la cherche qui sera... Elle sera en bout de piste de travers gauche, là-bas. Oui. Donc il faudrait qu'elle nous donne un axe ben, de la piste, quoi. On s'éloigne, en gros on va sur la forêt qui est derrière. À peine si la forêt qui est derrière. Virage à droite, intégration en droite. Le terrain il est à 291 pieds, donc 300. Une tour de piste, 1300 pieds, pas de surprise. Il n'y a personne dans le voisinage pour le moment. C'est l'information, X-Oscar, nous sommes à 1 minute. Vertical terrain, vous quittez faire un toucher sur Épernay. X-Oscar, eh bien, à l'issue du toucher sur Épernay, vous pouvez me recontacter, même fréquence, même transpondeur. À l'issue, nous vous recontactons, même fréquence, même transpondeur, X-Oscar. Et on ralentit. Alors, 70-40. Non, il a dit qu'on regardait. Ouais, mais à l'issue. Ah, à l'issue, d'accord. Ok, donc ça veut dire qu'on les dégage. Épernay, du Fox, X-Oscar, bonjour. Épernay, Fox, Golf, Mike, X-Oscar, un DR400. Nous sommes 1900 pieds en approche depuis Cézanne, à 30 secondes de la verticale terrain, en reconnaissance intégration, en vue d'un toucher sur la piste. Donc on est 1800, on va pas trop vite. Et non, j'ai pas repéré la biroute. Ah, si on voit l'air, on voit un truc là-bas, ça se trouve c'est là-dedans qu'elle est. Je vois personne alentour. Donc la piste elle fait 50 mètres de large, donc elle est un peu moins large qu'à Logne, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un peu attention par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure là. Ouais. Ok, c'est bon, c'est ça. Le cadre rouge, pardon, blanc, on voit bien la biroute et on voit qu'elle a un courant d'air comme ça. Ok, alors tu prends plutôt la 04 ou là, plutôt la 10? Ben, la 04. Bon, on est dans la 04, hein. C'est presque de face avec la 04. Ouais. Oh bah si, regarde. 0,4 comme ça, courant d'air comme ça. Bah pas encore. Non. Quasi de face. Donc légèrement de gauche. Légèrement de gauche. Puis on prend l'autre comme ça, on est plein de travers. Donc moi je prends la 0,4 là. Non. Vas-y. Vas-y, vas-y. Épernay, Fox, X-Oscar, nous passons la verticale, reconnaissance terrain, nous allons nous insérer dans le circuit de piste pour un toucher sur la 04, donc en main droite, je rappelle, début de vent arrière, Fox, X-Oscar. Alors, ça veut dire qu'on va contourner la ville là-bas? Ouais, alors soit tu passes avant, ouais. Soit tu passes après. Avant, ça se trouve. Ouais, j'ai passé après pour la jouer peinard. Ouais, ouvre la peinard, pas. On vole, non, on en profite. On maintient 1800 pieds, on est 102. Là, par contre, regarde, on est pile dans le domaine du rouge. Voilà. Et 0,50, donc j'ai pris à droite, donc ça vient. Et on cherche tranquillement. J'aime bien passer ici en général. Parce que derrière t'as la champagne, t'as toutes les vignes et tout dans les environs. Tant comme ça, là, c'est joli. Alors j'ai le terrain, on est sur un traversier pour la 04, donc c'est... on est en traversier. Voilà.
toit à personne. Et je vois le terrain. Un 100 pieds. Et permet du Fox X Oscar, 1400 pieds, début de vent arrière. Main droite, circuit main droite pour un toucher sur la 04. Allez, permet. Merci. Bon. Mais la pompe. On reprend cette circuit en perdant de la vitesse. 80 nœuds, on est dans l'arc blanc, un cran de volée, j'ai la pompe, j'ai la réchauffe. Et en termes de tense, on est en boudelle à peu près. Toujours en boudelle et c'est pas mal. Quand tu as ton, quand tu as ta piste sur le... Alors, Québec, vent arrière, maintenant 22. Quand tu as... Tu as ton saumon d'aile sur la piste, en général, t'es pas loin de la vérité. Ouais, et on est pas loin de la vérité. Ah, t'es bien là. 213, donc ça veut dire que derrière nous, on a du 0,3, donc c'est bien ça. Le QFU est en 0,36. Non. Le 100 pieds, par contre, là, on est un peu bas. Alors, j'observe, ouais, il n'y a rien devant, il y a juste ce patelin, là. Ouais, on va faire ça tranquillement derrière, là. Exact. Encore qu'on peut le faire même avant, mais tout à l'heure j'étais un peu short, donc on va plutôt allonger, revenir dans un standard. Affirme. On est passé. Alors, ah oui non, j'ai vu qu'il y avait une équipe pour le deuxième là. Quand tu le vois de loin, c'est pas tout à fait la même chose que quand t'es dessus finalement, t'as pas tout à fait les mêmes repères. Heureusement que j'ai vu l'autre bâtiment, là je me suis dit c'est derrière celui-là qu'il faut tourner. Donc je passais au milieu là. Le terrain il est toujours là, et la piste elle est là, ok. Et là, comme à Logne, pareil, on réduit, on descend, on vit. On fait gaffe à la vitesse quand même. Affirme. Ok, donc c'est bon. Okay. Là par contre c'est pas court. C'est pas court, mais je suis un poil haut. Ouais. Pourtant, j'étais déjà un peu descendu. Ouais. Bizarre. Parce qu'il se fait à 1000 pieds celui-ci. Et qu'on n'a pas l'habitude, nous. Ah oui, c'est ça, ouais. 1000 pieds sol. Ouais. Donc, on est 82, je suis tout réduit. On se met en finale. Et perdez Fox X-Oscar en finale pour un toucher sur la 04. Et perdez. 2 crans 70 on cherche dans l'axe un endroit qui est un peu plus moins herbeux que les autres, donc on imagine que c'est là où on touche. Ouais. Le vent il est à peu près de face 50 mètres, donc ça veut dire attention en périphérique. 6 mètres. Finalement, je prends ce truc là. Allez, continue de viser. Voilà, 65 nœuds, on va jusqu'au bout. Continue de viser. Ouais. Là, ça passe dessous, tu réduis. Et tu regardes loin devant et t'arrondis. Voilà. Et là, ce sera beau. Bon. Pas de réchauffe. Remets tous les gaz, attention aux pieds. Un corbeau qui passe, non, c'est bon, 55. Ah, et le pied à droite, dis donc, eh c'est ouais. Un truc de fou, ça. Il y a 180 chevaux. Ouais. Mieux celui-là, bien. Ah, regarde. Ouais, et l'aéromodélisme. Et permet Fox X Oscar en montée initiale, direction. Tête au terrain. On va certainement faire une verticale, donc à 2000 pieds au-dessus du terrain. On avait dit qu'on était à 300 pieds. Monte, 300, 600. Ouais, les arbres ils sont pas loin. Hein. Ouais. 80 nœuds. Si je veux voir des arbres de près, faut aller à Aubigny. Aubigny, ouais, on y a été une fois. 300, 800, on est 500 pieds là. Ah bon? Ouais.
Donc on coupe la pompe, on enlève ça, on continue la montée, donc un grand virage, on cherche la verticale pour faire un... Bah non, bah de toute façon j'ai annoncé la verticale. Donc. Ouais. Oui, dis donc la cible. Et oui. Bon, de toute façon, je me rappelle hein, quand j'avais fait la Kelly sur XO Pierre. Le pied, le pied. Donc on est plein est. Hein. En vol, ça va? Ouais. Ah, latéro là, ça allait, c'était bon aussi. C'est bien aussi, tu l'as corrigé. Juste au premier, ouais, au premier, c'est moi qui l'ai mis. Quand t'as remis la puissance. Ah oui. Ouais, mais, premier, mais là, ouais. C'était bon. Là, c'est toi qui l'as mis tout seul. Donc tu t'es fait avoir une fois. Ah oui. C'est pas très grave. Hein. On est là pour ça. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'il faut revoler de temps en temps. De temps en temps. Ça c'est juste pour corriger, tu sais, pour bouger un petit peu les curseurs. C'est ça. Et puis... Là, je suis en train de penser à un truc là du coup, c'est qu'on n'a pas du tout mis la... Je m'en occupe après de ça. On va voir ça. Bah justement, quand on sera en verticale, tout ça, au moment de partir, on peut en changer. Voilà. Comme ça, si jamais il y a un problème. Eh ben, on revient finalement. Eh ben, c'est pas une mauvaise idée. J'ai fait un exercice de pad une fois avec mon instructeur. Ouais. L'instructeur d'instructeur pour devenir quand je suis devenu instructeur. Ouais. Pas très loin avant la fin, quelques 2-3 vols avant la fin. Je lui ai fait un exercice de pad au-dessus d'un terrain. Ben, on n'a jamais redémarré. Ah oui. Ah oui. Pas mal. Et puis en fait on a eu la panne, on s'est... Mon Didier qui le dit, on fait vertical 1500 pieds, on l'a touché. Derrière 27, mon Didier. On l'a touché et en fait on a perdu un cylindre dans la montée initiale, ouais. Donc c'est là on a fait un circuit adapté main gauche pour se reposer. D'accord, non. Avec 3 cylindres au lieu de 4. Bon, ça vibre beaucoup. Mais ça fonctionne encore. Mais ça fonctionne. Donc on est 2400 pieds, bon, c'est très bien. Oui. Donc on a éperné. Mon Didier qui le dit, correction, je crois que c'est en vent arrière, 09. À 28 pour le départ de nav. Ok. Éperné, Fox X-Oscar, nous sommes 2400 pieds verticales, prise de route ouest vers Château-Thierry. Alors ça, c'est des zones d'activité ça en principe, on est d'accord là? Ouais. Ouais mais... Parce que si c'est des zones d'activité, c'est pas gênant. Normalement non. Parce que pour moi Épernay, la zone rouge-jaune, elle est là-bas. En fait tu as Plivaux ici. Plivaux, il faut pas survoler. Là. D'accord. Sous l'aile. Mais ouais tu peux y aller. De toute façon 2400 pieds c'est bon. Elle est vraiment, là. Donc en fait la partie. Ouais. Là. Bon. Donc on a dit qu'il était 28. Je n'ai pas dit pas de loup, papa, je suis en séquence pour un retour à Pompas. FFH donc réel 28 au départ de nav et on va partir pour 13 minutes donc 28 34 44 du coup tu veux m'emmener par la Marne? Ouais mais d'abord on va changer ouais. Le réservoir alors du donc, coup, on est 2300 pieds, on a mis la pompe, la pression elle est ok et ben on va se mettre sur le réservoir de gauche, ben, il est 30 en plus donc c'est bien. Allez 3, 2, 1 hop. Le truc est devenu rouge, la pression elle a baissé, elle est stable en fait. Ouais. Donc on est bon, on va éviter d'aller sur la ville. J'ai mis un minuteur à 30 minutes. 30 minutes. Ah ben c'est parfait, ok merde. Donc, bon, on coupe la pompe. On dit que c'est bien avant d'arriver en avant. Ça marche, on continue. Et ben tu peux leur dire qu'on s'en va et on va repasser 70-40. Ouais. Donc Épernay, Fox X-Oscar, 2400 pieds, de nautique ouest de vos installations, nous quittons votre secteur. Au revoir, bonne journée. Et on va rester 2400 pour en profiter un petit peu. Allez, ça va. Et on est revenu. Avec Seine ? Ouais. On n'a personne, tout va bien. Seine information du X-Oscar, rebonjour depuis Épernay. Rebonjour X-Oscar, toujours identifié, poursuivez. C'est reçu, identifié, on poursuit. Donc on est 2400 en direction Château-Thierry. Là on passe au-dessus des zones d'activité commerciale. C'était quoi ta...
SN de Fox Victor. C'est quoi votre butée horaire? Golf Oscar Victor Echo. Ah, c'est quoi 15h? Ta butée horaire? Ah, butée horaire, oui, 15h, c'est bien. 15h là-bas? Oui, 15h à l'autre. Ok. Et bah, Château de Chéry, tu fais juste une verticale alors. D'accord. Ok, c'est là, ça va être chaud. Alors, un départ à 3 en direction de Pont-sur-Yonne, vous êtes à toucher au terrain d'aller à Pont-sur-Yonne. Donc, monsieur Victor Echo, et bien 70-46 au transpondeur identifié. J'ai vu à 44. 70-46, Fox Victor Echo. Arrivé rond 9 minutes plus, 10 minutes, 15 minutes, ouais, effectivement, une verticale, ouais. Bon. Surtout si t'as un train à prendre. Bah, disons, c'est pas, c'est qu'il a juste le RER, quoi, après. Ah, c'est le RER. Oui, non, non, c'est juste pour aller au RER. Après, si tu veux, on a un quart d'heure de battement. Mais en fait, c'est que comme derrière, on va avoir la séance. Oui, oui, Clément m'a dit en plus, il m'a dit tu me les ramènes pas en retard. Ouais, voilà. Alors, il va me disputer. 2500 pieds finalement. Bon, oui, du coup, en effet, la Marne, c'est assez facile à suivre. Voilà. Oui, ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au-dessus de la forêt parce qu'il y a pas mal d'habitations ici. Ouais. Et on aura un visuel intéressant à droite, sinon on est trop au-dessus, c'est pas bien. Ouais, ok. Alors, oui. Bon, si t'étais tout seul, elle est à gauche. Dis-moi. Si tu étais tout seul, ouais, tu irais plutôt à droite de la Marne, ah, oui, plutôt qu'à gauche. Oui, oui, comme ça, tu l'as sur ta gauche, ouais. T'embêtes pas, ça te facilite la vie. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de se faciliter la vie au maximum. Hein. Là, en fait, je pense aux passagers. Voilà. Bon, on est 2500 pieds, finalement, on est bien, parce que les terrains, ça n'a pas l'air, mais ils sont pas hauts là-dessous. Ouais, au final, oui. En fait, là, ils sont à 300 pieds, en gros. Là on a un truc qui est à 360. Du mal à concevoir qu'on ait 2000 pieds sol là, mais bon. Ben ouais, sur le bord de Marne c'est assez haut, ouais, c'est bizarre. Mais bon. Sur la 250 mm, j'ai pas de... Alors sur la partie gauche, j'avais noté qu'il y avait un machin, une antenne jaune, je sais jamais comment on appelle ça là. On va voir, il perd des comme ça. Donc l'altitude minute est 1700, donc là on est bon. Ouais. Ok. Regarde le château. Ah ouais. Oh bah sur la pile sur la GoPro. Ouais. Là c'est pas sûr. Tiens, on va se baisser un peu. Mais il est beau celui-là. Ouais. Donc tu vois Jean-Luc, pourquoi je te demande, enfin je te propose souvent d'être plutôt à droite. Ouais ouais. C'est parce que toutes les navigations je les conçois pour le passager en fait. Il y a aussi un truc intéressant avec un... quand tu as un binôme d'élèves, pour qu'ils soient à droite, ils voient les instruments. Ah, ils voient les instruments, ouais, c'est d'accord. Facile. Ouais. Moi aussi, je fais souvent installer mes élèves à droite, à l'arrière. Comme ça, ils voient tout. Zulu Alpha. Zulu Alpha, j'écoute. Oui, Zulu Alpha, j'ai pris que vous alliez à Saint-Cyr. Bah, en fait, et vu votre route, je pense que vous allez passer assez près de Pont-sur-Yonne. Je vous informe d'activité planeur et voltige planeur à Pont-sur-Yonne. C'est bien reçu, on reste vigilant, Zulu Alpha. Merci de l'info. Et Zulu Alpha, vous pouvez maintenir le transpondeur, contactez mon collègue sur 118.050. On maintient le transpondeur et on contacte votre collègue sur 118.050. Merci, au revoir Zulu Alpha. Au revoir Zulu Alpha. Alors on a un petit patelin avec un pont. Un patelin avec un pont qui est là. Ouais. On a la Marne qui fait un espèce de crochet comme ça là. Donc, Golf novembre, bravo Oscar, maintenez le transpondeur, contactez mon collègue sur 118.050. On mettait le transpondeur sur 118.050, au revoir, merci. Alors tu vois ce qu'il y a aussi aujourd'hui, au revoir. Mine de rien, on n'a jamais fait ça. Ah ouais. Donc malgré tout, l'indication, etc., et on découvre un endroit qui est intéressant. C'est beau, la vallée de la Marne. Après Golf Oscar Delta, Yuskan Kaskouk, VFR, and Romeo 175 is active from ground to level 155. Il y a une jolie nave à faire, c'est pour aller à Dole ou Dijon. You can contact par les informations dans le range, tout ça, c'est magnifique. Il n'y a que des vignes partout, et c'est comme ça tout le long. D'accord. C'est géant. C'est vraiment géant. Alors si on est là, on continue comme ça, il n'y a pas de pas assez grand. Celui-ci. On va là et puis derrière la gauche, derrière la colline, on verra apparaître Château Thierry en principe. Normalement. 175, je sais que c'est un petit peu plus loin. Oscar Delta. Affirme, bye ça. De 1500 pieds, alors après je sais que par ici on va changer de place. Fox Golf Mike, X-ray Oscar, la suite avec Paris Info 126, décimalité si vous le souhaitez, au revoir. La suite avec 126 décimalité, Fox X-ray Oscar, bonne journée monsieur. Ah non.
Ah oui, quand tu briefes, t'entends pas. Allez. Est-ce que tu as la fréquence de Château Thierry? 120, 380. T'as vu, à chaque fois que je change de fréquence, je mets celle d'après. Ouais. Je sais pas si tu fais ça. Plus ou moins, ça dépend. Ouais, si t'as la dispo quoi. Bon, si t'as la dispo, c'est bien de le faire, comme ça. Ouais, comme ça, c'est anticipé. Ça fait un truc de moins. Je t'ai passé avec Paris Information, si tu veux. Ouais. Alors attends, je réfléchis un truc, ok, Château Thierry, c'est là-bas. On est ici, là, pour le moment, mon souci, c'est les patelins qui sont en dessous, restez à gauche, sur la forêt. Château Thierry, c'est là-bas, donc on va remonter à fin droite. Donc en gros, on va ici, on reste sur la forêt, et on va chercher l'autre forêt qui est là-bas. Okay. On se rapprochera du terrain, très bien. La... à la gauche. Ok. Après, tu vois, ces bleds là ils sont pas mis, hein. Ouais, entre les deux, là, ils sont pas mis, tu peux donc survoler. On est tranquille, ouais. Mais bon, je fais toujours attention quand même. En fait, c'est bien de faire, c'est super bien de faire attention. Parce que... Mais du coup, si jamais t'as besoin de prendre une route, ouais, prends là la route quand même. Fais au mieux, mais prends la route quand même. Te tape ouais, pas une sinon, classe. Sinon, il y a des fois, t'arrêtes pas de faire ça, quoi. Ouais. Te tape pas une classe non plus, mais là, tu vois, tu peux passer. On est dans la réglementation. Au mieux, voilà. C'est surtout à Logne, en fait. C'est parce que là, les gens, bon... Ah ben en... oui. Parce que ouais, je disais l'autre jour, j'en discutais avec ma mère. Et à Logne, les gens ils en ont marre. Des avions. Oscar Delta, Paris Information. Ça se comprend aussi, hein, c'est normal. C'est normal. Mais chez nous, en province, Oscar Delta, tu vois, t'as un avion qui passe au-dessus de la maison, ça reste rare. Donc tu fais rêver les enfants, c'est encore aussi. C'est l'opposé. Ouais, c'est un peu fort. Altitude 2000 feet, request traffic information. On a Oscar Delta, Fox 7013. Fox 7013, Dima Oscar Delta. Pacific Area, Dima, Foxford, Romeo, Active, Dima Oscar Delta. Oscar Delta, 69 not active, but donc en fait, 175 and sur Romeo 3 pour active. Voir le deuxième... à droite. Romeo 3 and donc, 175 FD ouais. Donc c'est bien pour le paysage, c'est bien pour la trajectoire, et on va causer. Paris Information du Fox Mike Golf Mike X-Oscar, rebonjour. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, Paris Information, bonjour. Donc Fox Golf Mike X-Ray Oscar, DR400, 3 personnes à bord, nous avons Seine en partant de Épernay, nous sommes à destination de Logne à 5 minutes d'une verticale de Château-Thierry. Pour la fréquence avec vous. Alors X-ray Oscar, le transpondeur 7012. 7012 affiché pour X-ray Oscar. Paris Info du Fox, Charlie Golf, bonjour. Donc c'est Charlie Golf, Paris Information, bonjour. Je suis un peu plus de temps. Ok, donc là on a passé le deuxième. Oscar Delta, Oscar Delta. Oscar Delta, radar contact with you. Par contre, 2500 pieds, ça va être notre maximum, puisqu'à un moment donné, quand même, on va y tomber dedans là, après Château-Thierry. Alors. X-ray Oscar, Paris Info, vous êtes identifié. X-ray Oscar, identifié, reçu, merci. Ah, attends, on va essayer de faire un truc. Ouais. Alpha Mike, Paris Info. Alpha Mike à l'écoute. Alpha Mike, vous sortez de mes zones, donc c'est niveau transpondeur, vous quittez, vous pouvez passer avec scène 120-325. Je vais mettre la limite 356. Ok, j'ai un visuel. Ok, c'est ce que je pensais. C'est bon, terrain en vue.
356 moins 180, ça fait 176. Ok, visuel terrain. Regarde ce que j'ai fait. Ouais. Charlie Golf, Paris Info, vous êtes identifié. C'est reçu, Charlie Golf. Là, tu vois, je dis notre limite entre 3005 et 2005, ouais, c'est la radiale. 356 de Bray. Ah oui, d'accord. Ah, or, Bray, on est trop bas pour le capter. T'es d'accord? Ouais, ouais. Du coup, je l'ai mis au GPS. D'ailleurs, c'est une connerie. T'as vu, c'est décalé. Ah oui. Ah, attends, 356, moins 180. Non, c'est bon. Bah non, c'est ça, ça fait 4 degrés de moins, donc 4 bah degrés oui. de moins. Bon. Donc là, on est dans le terrain de Château-Thierry. On a la zone machin qu'il faut éviter, donc en fait, je fais ça. Vertical. Oscar, Oscar, Paris Info. Oscar, j'écoute. Oscar, Oscar, donc vous allez jusqu'à Château-Thierry, ensuite Cologne, c'est correct? Affirme, donc on est une minute de la verticale Château-Thierry. On prend en fait Coulommiers et Pilogne, pour exactement. On reçu. Et du coup, pour info, j'ai un Delta Fox Tango à vos 11h gauche droite, 200 pieds bas, mais bon, je pense que vous allez tourner, donc il n'y aura pas de souci. C'est reçu pour l'information, on n'a pas de visuel, et effectivement, on fait un virage à gauche dans 5 secondes. Reçu. Ouais. Du coup, et ouais. Donc on reste à 2700 finalement. T'es mis comme, comme une barre, comme une radiale en fait. D'accord. Ouais. Pour juste avant la descente. En gros, faut être à 2005, passer cette radiale. D'accord. Je l'ai mis comme un vor en fait. Ok. En faisant, je sais pas si tu m'as vu faire, mais non, en faisant direct tout. Alors attends, tu sais quoi, on va passer la verticale, j'en profite. Prends les horaires et tout ça. Vas-y. Et après, comme ça, on sera bien établi. Je serai 100% avec toi. Ouais. Tu as bien raison. Alors, on y est venu ici il y a très longtemps, ouais, dans la formation, au tout début. Oh, j'aime beaucoup Château-Thierry. Ouais, ça c'est sympa. J'aime vraiment bien. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le premier où, ça, où je suis allé, ou tu vois, je sais pas, mais j'aime bien. Ouais, il y a un petit côté affectif sur certains trucs, des fois ouais, on sait pas trop pourquoi. Trucs, ouais. À personne. Alors, et 44 en fait. Et pour retourner sur PK, c'est du 2-23. Donc 10 degrés à droite en fait. Oscar Delta, Police Information. Ah, on a un vent de 7 gauche. Hein. Donc c'est divisé Paris par 2 pour bonjour, le coup. 3 degrés. Donc eh ben, je vais mettre 220. Fox Hotel India Alfa Romeo de Rodez Lima Fox Charlie Romeo vers Paris Limolino Lima Fox voilà. Papa India tableau 64 s'il vous plaît. Alfa Romeo le transpondeur 70-11 Alfa Romeo 9 minutes 44 ça fait 53 minimum. Ok, bon. Ah ben regarde. Ouais. Le Château-Thierry, voilà, maintenant il est derrière à gauche. On check les caméras, ça a l'air de fonctionner. Très bien. Sur ma tête, elle est bonne, Jean-Luc? Ouais, c'est bon. Merci. D'accord, donc en fait, c'est cette ligne rouge là qu'on voit. Alfa Romeo, Paris Info, vous êtes identifié. Exactement. Je vois que tu sois à 2005. Ok, bon, ben, je vais descendre sans pied quand même. Ouais, ce truc là, ça marche bien avec les vores. Ouais. Avec les GPS ça marche un peu moins bien parce qu'il y a pas mal de trucs à tripoter. Ouais. Et l'idée en fait pour que ce soit le plus facile c'est. On peut pas le faire avec un G500. Avec un G1000 on peut. T'as une touche qui te permet d'utiliser le point VOR, le point GPS comme ouais. une balise VOR. Et ça c'est génial. Si t'as l'occasion de faire du G1000 un jour. Peu probable. Peu probable, le G1000 je l'ai vu quand on avait fait Golf Oscar Delta, Paris Information. Quand on a fait un vol avec Delta Fox, ouais, donc le DR40, il y a très longtemps, donc ah, Oscar Delta et un autre vol avec Charlie Papa. On y va, Oscar Delta, copier de chat, je vous confirme with Lima Victor Golf. It is 12 o'clock, 12 o'clock, 10 boots, 1 nautical mile, same altitude.
transcendant. 5 Together with Lima, Golf. Là, tu fais 162 quoi, 152. Bon. Ouais. Copy. Il va faire la basse. Quand on l'avait pris, bon, j'étais en place de droite, c'était. Bon, il s'appelle Gérard qui est piloté. On est bien laissé de ces 5-10 minutes. Bon, en main droite, c'était pas évident, j'ai pas du tout l'habitude. Ça secoue un peu. Dis donc, je peux te dire que physiquement, tu le sens passer. Hein. Ouais, et puis c'est particulier parce que tu l'as ici. Ouais, ouais. Et c'est un coup à prendre, mais ça se pilote vachement bien. Ouais. Et là, en fait, ce qui avait été difficile, c'est qu'en même temps, ça tabassait un peu quand même. Ouais. Donc, on allait vite, c'était un peu turbulent, tu sais. Et donc, tu sentais que. Donc là, on se fait un plaisir de passer entre les villes jaunes ici et les villes jaunes là-bas. Romeo identifié. Merci de vous joindre. J'ai pas vu l'autoroute, mais je sais qu'elle est pas loin. Elle doit être là. Elle est boum. Tu vas voir. Juste derrière là. En fait, elle est là à droite, là, normalement. Ouais. Bon, 2400. Donc ça, c'est... Charlie Golf, Paris Info pour SR Radio. Charlie Golf, je vous reçois. Alors en fait, là, il y a deux villes jaunes. C'est également, il y a un peu de trafic. Et son pendant qui est là, tu sais. Alors j'ai 35 degrés pour essayer de passer en trajectoire, donc normalement, je dois passer à gauche. D'accord, donc pour quitter et repasser 7000 Affirme, Charlie Golf. Reçu, donc vous pouvez quitter, repasser avec Saint-Cyr et bon après-midi, au revoir. Bon. 7000 en quitte à fréquence, Charlie Golf, bon après-midi, au revoir. C'est ça. Faut passer à gauche. On essaye de rester à l'altitude prévue. De 2400 pieds. Dans 12 minutes, ben ça sera juste avant d'arriver sur Coulommiers quoi. Bon, t'as même pas perdu, c'est même pas drôle. J'ai même pas besoin de te poser des questions du style on est où là, parce que tu me dis déjà où c'est qu'on est. Bah oui. Bon. Mais comme je dis toujours, c'est ça le genre de nav que j'aime bien faire moi. Pour moi, en fait, voler, c'est comme faire de la randonnée, mais on est rien. Et le plaisir de piloter et courir. Bah tu vois plein de trucs. Bon, l'inconvénient, c'est que quand tu parles, des fois, t'entends pas, mais... Ah oui, t'as plutôt intérêt de te protéger les oreilles parce que la randonnée, autant la randonnée ça va au niveau des tympans, mais l'avion, ouais, bah oui. tu finis sourd assez vite. Malheureusement. Attention à l'altitude. Donc faire tes sougeoirs, là-bas on a, alors c'est pas compliqué, si on a la route, l'eau, l'autoroute là-bas, tiens je la vois, avec le pont qui passe là. Donc là, si on allait là-bas, on aurait intérêt à descendre. Ouais. De travers, de face. On a dit quoi? 53, dans 3 minutes. Alors regarde, je suis en train de me dire, là, il y a un truc qui m'étonne, ça me fait penser à Coulo. Pas déjà, mais si, déjà. Ah si, déjà. Ah bah, 122, hein. Eh oui, 130 hein. Même. Ah oui. Donc là je vais descendre 2000 pieds. Ouais. Si tu veux. Et on va passer non. Ah je suis basé. J'ai oublié de le noter Coulommiers. Et que ça a changé. Que tu veux. T'appelles un avis. Hein? T'appelles un avis. Ça fait 22, donc on ouais, 205. Est en fin et on souhaiterait pénétrer dans la CPR de Melun pour des évolutions autour de Château de Vaux-le-Vicomte. Alors quel est l'hôtel? Ce sera 7000 et l'auto-info sur 121-10. 7000 auto-info sur 121-10. Ah oui, c'est vraiment dimanche. Effectivement, la détail est classée en classe Golf et voilà. Oui, donc vous mettrez sur la fréquence auto. Alors qu'est-ce que tu veux faire à Coulommiers? Tu veux te... Vertical intégration pour vos informations. Oui, vertical. Ok, on va
On respecte le timing. Merci, vous aussi, bon après-midi, au revoir. Bravo. Hop. X-ray Oscar, Paris Info. X-ray Oscar, j'allais vous appeler, j'écoute. Oui, X-ray Oscar, donc pour votre info, j'ai une autre arrivée sur Coulommiers, là, vaut 1 heure, gauche-droite, moins d'un nautique, et en descente également, même altitude que vous pour moi. Très bien reçu, merci. Je veille, pas de visuel pour le moment, je vais rester 2000 pieds en s'orient. Reçu. Dois-je leur demander de quitter? Ben non, finalement. Bah tu peux. Et ouais, quand même, tu peux, parce que tu fais la verticale, en plus il y a des planeurs et tout, c'est chaud. Ouais, c'est vrai. Donc Paris Info, X-ray Oscar, pour vous quitter pour la verticale avec eux. C'est bien reçu, X-ray Oscar. Donc 7000, vous pouvez quitter, passer avec Coulommiers, et bon après-midi, au revoir. Merci, vous également, au revoir. Elle est sympa, elle. Coulommiers du Fox X-ray Oscar, bonjour. Coulommiers, Fox Golf, Mike X-ray Oscar, DR400, on approche par le nord du terrain. Avec un visuel sur l'appareil qui fait la transversale est-ouest à 300 pieds bas. Nous sommes à 30 secondes de la verticale à direction de Logne. Pour information, activité Troyage et planeur en cours à Coulommiers, merci d'éviter la verticale. C'est reçu, on vire immédiatement à droite et on suit l'appareil qui est 200 pieds bas en tout. Merci. Merci beaucoup. Ça tombe bien, c'est ce que j'avais prévu de faire. Les Troyes peuvent tendre les câbles pour un suite de personnes à bord. Voilà. Je tends le câble pour un suite de personnes. Et tu sais quoi? Et moi, on va l'intercepter. Vas-y. Bon. Donc on descend 1500 pieds. Donc lui, il va là-bas, moi je vais là-bas. Ouais. Voilà pourquoi je voulais que tu contactes le parce que le dimanche. Eh oui, il y a des planeurs. Samedi, dimanche, mercredi. Mais le Troyes, Troyes immédiat, évitez la verticale, évitez d'encombrer la fréquence jusqu'à la fin de la Troyes, merci. Voilà, ah, comme tu veux. Toi, tu prends la vente arrière? Non, 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 je vais chercher l'autoroute qui est juste là-bas en fait. Ok. Ça prolonge de 15 secondes peut-être ou de 30 secondes? Ouais, pas beaucoup. En même temps, je maintiens la séparation avec lui surtout. Ok. Et je sais pas s'il est rapide ou pas en fait. Ça me va. Tendu, tendu. A mon avis, il était rapide, mais parce qu'il était en descente. Ouais. Dans tous les cas, tu seras plus rapide que lui, hein, si tu mets plus plein de patates. Ouais, c'est pour ça. 125, 0, 25. Alors, ça fait 25 minutes. Un début de PTU 09 centrale, un complet. Bon, 25 minutes, on est 1400 pieds. Bon, de toute façon, on va chercher 1200, hein. Ouais. Coulommiers, Fox, Alpha Hotel, bonjour. Ok, c'est plus un problème, il ira à gauche, là. Yes, pour le retour, qu'est-ce que tu penses de changer? 400, Fox, Tango, Alpha Hotel. Non, est-ce qu'on peut se poser sur un réservoir, sur un réservoir de droite? Dans 3 minutes. Ouais, ouais. Ah bah, là, on va le changer, alors. Comme ça fera un consommé à droite. La pompe. On met la pompe. Non, Ouais. Non, ouais, t'inquiète pas. Pour information, avec le déployage des planeurs à côté. Ok. Ouais, ça va, c'est refait. On passe au centre. On est au centre. Et on passe à droite. C'est là, là. Pas de changement de pression. On est okay. Encore sur l'autoroute. On essaye. On essaye. Ça tient. Bah, franchement, je la fais pas parce qu'il y a la caméra. Faut pas hésiter. Bah si. Si si. Non mais dans le temps tu sais, ils coupaient les moteurs en vol. Ah oui d'accord. Maintenant on interdit. Ouais. Bon alors tu vois là il y a un truc qui m'amuse, c'est que... Ah ben voilà, je me disais mais l'autoroute je pensais la voir plus tôt. C'est genre de truc. Téléphone, soyez, je rappelle. Pénible, tu sais, tu dis c'est maintenant que je la vois. Ah ben non, ah non c'est pas maintenant. Ah ben on voit bien beau là. Ok. Coulommiers, X-Oscar, on est loin de vos installations, au revoir, bon vol. Hôtel reçu, merci. Good day, this is Hotel Information, exit point 1220 UTC. Runway 08 News, caution bird, hazard bird. Surface wind 180 degrees 4 knots, visibility 10 km. Temperature 20, Quebec Thermomotel 1016, today sunset 19055 UTC. At first contact, confirm Hotel Information received, thank you. Bonjour à toutes et à tous, cette information hôtel enregistrée pour Logne à 12h20 UTC. La piste 08 est en service, attention péril aviaire. Vent sol 180 degrés, 4 nœuds, visibilité 10 km, température 20. Québec Tour Hôtel 1016, unité 0, unité 6. Aujourd'hui, coucher du soleil 19h55 UTC. Au premier contact, confirmez l'information. Hôtel reçu, okay, merci. Good day, this is Hotel Information. On a vu personne, on va pouvoir se mettre 1200. Et 66, attends, écho.
Fox Yankee, entrée rappelée, vent arrière, main gauche, piste 08, trafic Robin, milieu de montée initiale, tour de piste. Je rentre et je rappelle 08, vent arrière 08, main gauche, c'est copié pour le Robin, que laisse passer, Fox Yankee. Norme Alpha, trafic Peter, Peter, passe écho pour la vent arrière. On va faire reçu, on n'a pas encore l'usage. Fox Fox Yankee, si vous gardez un peu de vitesse, je pense que vous serez plutôt devant. Alors je maintiens la vitesse, Fox Fox Yankee. Et j'ai pas visuel. Reçu Fox Fox Yankee. Norme Alpha visuel, on le laisse passer. Reçu Fox Norme Alpha, si besoin, vous pouvez allonger un peu le pour passer derrière. Ouais, on va un peu prolonger. Allez. Et merci beaucoup. Fox Fox Yankee, si possible, garder un peu de vitesse jusqu'à la fin de vent arrière. Infirme pour la vitesse jusqu'à la fin de vent arrière. Ah, tu vois, ils te disent avant la descente. Ouais. Altimètre, réglé comparé, ok. HSI vérifié. Heading réglé, ok. Essence ouvert sur le central. Essence ouvert sur le central. Voilà, donc ils préfèrent poser sur le central. Eh ben, on va remettre. Bon, attends. Ah non, attends, on va le changer. Non, non, on vous laisse. Ouais, continue de manger le réservoir droit. D'accord. On va mettre ça en vent arrière, ok. D'accord. Logne, rebonjour du X-ray Oscar avec l'information routine, 3 minutes d'écho. Fox X-ray Oscar, rebonjour, transpondeur 3731, rappel écho. 3731, rappel écho, Fox X-ray Oscar. Fox X-ray, Juliette Latour, bonjour. Aligné 3 minutes, 0 mais... 0 2, autorisé décollage, vent 130 degrés. Ah, c'est bon, c'est ça, 3 minutes à peu près. 3 minutes, bien. Ouais. Fox Yankee, voilà. Numéro 2, trafic là, tu vois, précédent, on est à 125,2. C'est ça la vraie vie. Là, voilà. Numéro 2, là on avance un peu là. Ouais, c'est ça. 92. Numéro 3, trafic précédent, Piper, fin de vent arrière, appelé final piste 0 et dur. 122, c'est le minimum. Numéro 3 derrière le. Ouais, je trouve que c'est quoi de vitesse 0 et dur, ça pourra toucher. J'ai mis 200 pieds, c'est une bonne altitude aussi. Aussi, ouais. Pour l'arrivée, c'est mieux. Voilà. Bon, il y a une préconisation. Victor, il y a une préconisation en final, de ne pas arriver trop vite à Echo. Dans 122, c'est trop, il devait avoir 220. Dans 130 degrés, 7 à 13 nœuds, trafic Robin au départ dur, sortie locale. Autorisé, touché, piste 08 gazonnée, Fox Oscar Victor Solo. Donc là, il est 15h, donc on a une belle visibilité, enfin bien dégagée. Je ne me rappelais pas ce que c'était que les... Là, récemment, on est allé balader dans la forêt de Ferrières, là. Ouais. Mais c'est vraiment pas désagréable. Bah, c'est cool. C'est une belle forêt. Il enfin, y a des endroits qui sont vraiment sympas. Bonjour, vous êtes pour un départ rapide. Affirmatif, les collecteurs. Dans un premier temps, allez-vous piste 08 dur et attendez, parce que les collecteurs. Et on maintient la... l'autoroute. Ouais. On va éviter le survol des... Des bussis. Des maisons. Ah bah oui, c'est ça, on a eu une de gauche, tu vois, j'avais pas regardé. Pas de secret. Eh ouais. De toute façon, en général, en avion, il y a vraiment pas de secret. Non. Pour le coup. Fox Echo Victor, piste 080, autorisé décollage immédiat, vent 140 degrés sinueux, trafic Aquila, monte initiale gazonnée, tour de piste. J'ai peur. Autorisé décollage immédiat, Echo Victor, et j'ai le trafic. Donc voilà, après tant d'années de vol, je l'ai vu d'assez près le château. Enfin, le château. Il y a une barrière, hein, c'est encore 200 mètres à faire, mais. Mais voilà quoi. Mais je me demande s'il n'est pas ouvert au public, le château. Le parc, il peut être ouvert au public, le château, je suis pas sûr. Logne Fox Oscar, 10 secondes de Echo. Fox Fox Yankee, piste 08 dur, autorise atterrissage, vent 140 degrés sinueux. Autorise atterrissage 08 dur, Fox Yankee là. Fox Oscar, entrée rappelée vent arrière, main gauche, piste 08, trafic Aquila, fin de montée initiale, tour de piste solo. J'entre, je rappelle le début de vent arrière, main gauche, reçu pour le trafic, pas de visuel encore, ah si j'ai un visuel. Fox Oscar Victor, trafic Robin, passe écho pour la vent arrière. Oui. Oh. Fox X-ray Juliette, transpondeur 7000, quittez bon vol. Fox X-ray Juliette, transpondeur 7000, je quitte à tout à l'heure. Fox Oscar Victor, trafic Robin, passe écho pour la vent arrière visuelle. J'ai le visuel, Fox Oscar Victor, solo.
Ah, donc vous mettez derrière lui, c'est correct? Je me mets derrière le trafic, Fox Hotel Victor Solo. Ah, ok. Okay. Allez, fais-moi ta plus belle arrivée là. 1200 pieds. Ouais. Tout carré, propre. On met la pompe déjà. On va en profiter pour charger. Au moins 100. Fox Mont Alpha, piste 080 autorisé touché, 220 degrés, 432. Attends. Je mets le réservoir central. Maintenant. Fox Victor Oscar numéro 1, rappelez final piste 080. Numéro 1, je rappelle le final 080. Ok, et maintenant je réduis. Ouais. Est-ce que tu vois l'autoroute sur ta gauche? Ouais, juste en dessous. Eh ben, ne la vois... Cache-la. Cache-la. Cache-la avec ton fuselage. Ok. Caché. On réduit la vitesse. Victor Solo, en début de vente arrière pour un tous ces pistes 08 gazonnées. Donc je suis arrivé numéro 2, pour qu'il reste dans Robin, traverse tour, la dure, la pompe, on remet 1800 tours à numéro 1. Numéro 2, je rappelle, final, piste 08 gazonnées, Fox Oscar Victor Solo. Tu continues jusqu'à l'échangeur, c'est un truc bien carré. Transpondeur 7000 à tout à l'heure, avec le temps. Voilà, carénage. La voie juste. Et là, tu peux viser les bâtiments rouges là-bas. Ouais. Je sais pas si tu le vois. Ici, ça y est. Et là, tu seras nickel sur le trait. Tout comme il faut. Donc, ouais. Préchauffe, pompe, vers volet gauche, droite. 180, c'est bien. Mon lac, il est ici, voilà. Et le H, il est là-bas. Par contre, la vitesse, un peu rapide, 1900 tours, c'est mieux. Non, j'avais annoncé 1800, en fait. Hey, XO, XO, c'est XO, hein. Ouais. 80 100. Fox Romo, Québec, Line Tour, bonjour, Annie. De 0 bit dur, autorisé décollage, 230 degrés fineux. Et bonjour, on s'aligne Fox. Voilà, touche plus à la puissance. Touche plus. Ne touche plus. Oui. Et. Là, on va rester 1000 pieds un peu. Voilà. Ça plaît bien là. Ouais, moi aussi c'est mieux. Ok, Kilomax, Line Tour, bonjour. Soyez prêts pour un départ rapide. Affirme, Kilomax. Dans un premier temps, alignez-vous piste 08 dur et attendez, Fox Kilomètre. Elle va nous mettre de la merde. Dans un premier temps, alignez-vous piste 08 dur et maintenant, Fox Kilomètre. Fox X-ray Oscar, continue approche, je vous rappelle en courte, départ immédiat devant vous. Reçu, Glenn. Allez, bah du coup, la vitesse d'approche mini, F, sinon, donc là, je réduis tout. Ouais. Fox Kilomètre, piste 08 dur, autorisé décollage immédiat, vent 120 degrés. Piste 08 dur, décollage immédiat, Fox Kilomètre. 67. Allez, 65. Prends sa ligne, c'est bien. Attention, regarde, là t'as pas assez de patates. Ouais. Je te disais, il est un peu dur à ce niveau-là, tu vois, au début là. Voilà. Allez, vise bien. 65 rétabli, on est sur l'axe. À le pied. 65. Voilà, ok, c'est bon. Allez, de la puissance encore. Officier Oscar, piste 08 dur, autorisé atterrissage en 120 degrés, 5 nœuds. Autorisé atterrissage 08 dur, il faut faire. Là tu réduis, tu as trop de vitesse, là on est trop haut. Ouais. Réduis tout. Novembre Alpha, vent arrière 0,17 points. Voilà, c'est bon. On arrive à Novembre Alpha, numéro 1, rappelez, finale piste 08 dur. Numéro 1, on va pouvoir réduire piste 08 dur, Novembre Alpha. Donc ce sera Victor, piste 08 gazonné, autorisé touché vent 120 degrés. On remet les pieds dessus, on se met au centre. Autorisé touché, piste 08 gazonné, Fox Oscar Victor solo. En fret tranquillou. Voilà. À la fin, quand t'es 5 mètres à gauche, t'es 5 mètres à gauche. Hein. Du moment que t'es sur un axe. Allez, tu m'emmènes où? Eh ben, on va aller sur la 08 là-bas. On regarde l'axe de piste quand même. Ah oui. En finale, t'as vu, en courte là, j'ai poussé un peu plus ouais. pour reprendre le plan, ouais. Passer un tout petit peu en dessous. Ouais. Et comme j'ai vu que t'avais réduit. Oui, on récupère. Voilà. Tu récupères un petit peu et ta vitesse, normalement, tout. C'est du bricolage. Hein. Oui, c'est ça. C'est normalement, c'est remise de gaz.
Oui, d'accord. Voilà. Vas-y. Je te le pique deux secondes, vas-y, okay. Avec la réchauffe. Oscar Charlie, maintenez mon point d'attente et veillez 118 décimales 6. Je maintiens le point d'attente et je vais 118 décimales 6. Ah, c'est bon. Oscar Charlie. Alors, réchauffe. T, pompe sur off. Le sol de Oscar 08 dur dégagé devant drôle, je partage. Oscar, roulez quitter sa ligne. Je roule la ligne à celle-ci, au revoir, bonne fin de journée. Et on a touché. Whisky Romeo, vous en êtes où là? 15h, Whisky Romeo, on 05, est à 15 mètres de l'intersection avec novembre. Donc on est à l'heure. X-ray Oscar, vous laisserez sortir un PA34? Duel, je vais sortir, Fox Oscar. Le seul bonjour, Fox Golf Bravo Québec Echo. Québec Echo, bonjour. Et bonjour Fox Québec Echo, 152 chez Aeroflight Type Hotel. De bord, on souhaiterait vous relâchement local. J'ai pas compris la fin du message, Québec Echo. Ce serait pour un vol local, Québec Echo. Québec Echo, transpondeur 3722, roulez point d'attente 08 dur, oui. Rappelez prêt. 3722, roule point d'attente 08 dur, on rappelle prêt, Fox Québec Echo. Là, je suis complètement à gauche sur le palonnier. Et il y a du vent, il y a... Ouais, c'est bizarre. Et puis le taxiway est comme ça, donc c'est normal. L'Oxon Fox, Romo Delta, il t'emmène à droite. Ouais. Bah, tu le ramènes toujours à gauche. En fait, tu roules comme ça. Je maintiens pour le point d'attente 08 et je veille sur 18 décimales 6, Fox Romo Delta. On va mettre un peu d'intérieur. On peut remettre 1000 tours maintenant. Regarde la mariée, il peut faire un tour d'hélicoptère. Ah oui, joli. Finalement, on se remet dehors. Je sais pas pourquoi, c'est toujours plus intéressant de regarder une mariée que de voir nos tranches. Hein, c'est bizarre. C'est vrai que. Bon. Casquette de monsieur. Ouais. Là faut virer les portes pour faire ça. On avait fait ça une fois avec un cub. Ah oui. Quelque part. Et bah y'a pas de porte. Qu'à faire, autant se mettre face à la mariée. Let's go. Voilà. À fond sur les pédales et on tire. Le bazar, on est à 1200 pieds. Bon, donc bon, on va éteindre ceci. On va remettre ça. Là. Là. Non, on va pas le remettre. C'est alors, quoi, il se regarde. Bon, allez, au revoir la radio. Donc ça c'est off, ça c'est retiré, et ça ici. Bon, et ben on respire. Avec. Alors heureux Jean-Luc. Comme d'habitude. C'était pas mal, c'était pas mal. Au niveau du... Ouais, petit débrief. Au niveau du pilotage, ça va tout ça? Ah oui, tu veux que je débrief là tout ah de suite? Ah ouais, vas-y, allez, okay. On fait tout. Eh ben débrief, ok. Bon ça va, hein, t'es un pilote, t'es safe. Les intégrations, ça allait, franchement, j'ai vu 10 fois pire. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, on va tirer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tes plans sont tous un peu forts. Les plans sont tous un peu forts. Et du coup, tu te retrouves à zéro là. D'accord. Tu te retrouves plein réduit. Si en fin de vente arrière, joue pas trop avec les gaz. Ouais. Tu vas afficher 1700 tours. Ouais. Tu affiches une assiette en descente. Tu rajoutes 2 degrés en descente, 2 doigts à peu près, de plus. Ça te va te faire à peu près 400 pieds minutes, 500 pieds minutes. Tu bloques et tu te mets en virage. Et là, tu vas voir, tout va s'aligner comme sur un laser. Ouais, franchement. D'accord.
Et là, je te voyais tout à l'heure, tu sais, tu bougeais, t'étais à 1008, 1005, ouais. Tu... ouais. Franchement, trop d'ajustements. Ouais. Laisse ta... C'est pour ça que je t'ai dit, affiche, laisse ta... laisse la manette et n'y touche plus. D'accord. Et, en fait, et tu vois que tu... là, tu l'as fait, t'y touchais plus de trop, ça marche tout pareil. Ouais. Ça marche super bien. D'accord. Peut-être okay. Un petit peu trop, mais après c'est le DR400 qui veut ça, hein, parce que le problème du DR400 c'est que tu vas gérer ta vitesse avec les gaz et ton plan avec le manche. Après, est-ce que ça peut être lié aussi que le fait de ne pas avoir l'habitude d'X-ray Oscar? Bien sûr. Ça peut aussi jouer. Bien ça. Sûr, oui. Parce que c'est vrai qu'il a des... il a quand même... on sent qu'il a la patate tout de ah même, oui, donc oui, bah oui. Les moindres, finalement, les moindres variations, ça... C'est pour ça que je te conseille de... ouais. D'afficher ta puissance, ouais. Et de gérer avec... et de gérer ensuite. Mais de ne pas aller trop à... bouger tes puissances, parce que comme il y a beaucoup de chevaux, enfin il y a un peu plus de chevaux, il y a, ouais. il y a 40 de plus, 60 de plus. Et en fait, à chaque variation de puissance, ton avion il est bien trimé. Et du coup, à chaque variation de puissance, bah, tu vois, ouais. Tu fais ça. Du coup, tu vas perdre 100 pieds, tu vas prendre 5 nœuds, ouais. Et du coup, ouais. Tu vas courir après tout le temps les aiguilles. Si tu bloques ça, je pense que tu ne courras plus jamais après tes aiguilles. D'accord. Mais non, dans l'ensemble, ça va, c'est bien. Ok. C'est bien. T'as vu, on est arrivé un peu haut. Bon, bricole, ça passe. Ouais. Mais c'est un petit défaut connu de tous les pilotes de DR400, c'est l'arrivée plein réduit parce que vous êtes trop. Mais c'est d'accord. Moi aussi, je faisais la même chose. C'est un avion avec lequel tu peux le faire. Mais admettons, tu passes sur un DA40 ou un PA28, c'est encore un peu différent. Mais tu passes sur un avion plus fin, Ouais, beaucoup d'accord. plus puissant, oui. Avec des profils, avec un profil laminaire. Là, on était à 102. Franchement, ouais, c'était ouais. Tarif fusé. Ah ouais, on n'arrivait jamais de la vie. Jamais on arrivait à poser. Mais avec le DR400, ça passe. Ok. Mais ouais, cours pas après les aiguilles. Ton pilotage est sain. Les intégrations sont nickel, la radio c'est bien, t'es à l'aise, la nave j'en parle même pas parce que c'est sans objet. Si j'avais voulu te perdre on n'aurait pas réussi. Non, je crois qu'aujourd'hui c'était... Non, parce qu'à chaque fois que t'avais un coup d'avance, à chaque fois que j'allais te demander tiens bah on est où, c'est quoi ton point là, c'est quoi ta ville, au final tu disais déjà ah ouais ça c'est cette ville là machin tout ça, donc tu sais où t'es, donc là, au niveau ouais. de la nave, les naves d'accord. Tu m'emmènes dans le sud, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, mais c'est un petit peu de rigueur sur le. Mais peut-être qu'on te l'a jamais dit aussi, hein, de vraiment. Si, après. D'afficher et de laisser. Si, tout à fait. Alors après, par contre, tu vois, quand tu dis que là j'étais un peu haut, c'est. Enfin, c'est bizarre parce que d'habitude, je sais que j'ai tendance à être un peu trop ouais. bas. Donc là, je suis peut-être en train d'essayer de me corriger comme ça, et là, du coup, je suis un peu trop haut. Peut-être. Mais parce que je me rappelle de certains atterrissages où je sais que j'étais pas forcément de beaucoup, mais tu vois, 50, ouais. 100 pieds, tout d'un coup ça commence à 60 cm, ouais. deux doigts, l'horizon, ouais. ton point d'aboutissement. Et après ça y a pas de secret. Ouais. C'est que ça. Ouais. Et puis après tu bloques. Et il faut rester dessus. Ouais. C'est ça. Ok, bon avec bah écoute. Une belle vitesse en finale, mais écoute. Non, c'était bien. C'était un vol sympa. C'était bien. Ouais, c'était bien agréable. Avec vous, enfin avec des brevetés, j'ai une valeur ajoutée assez faible parce que vous êtes déjà, vous avez déjà vos connaissances et tout. J'ai pas grand chose à apporter à part des petits trucs, des petits points. Ouais, mais là, tu vois, ce qui t'a intéressé aussi, c'était justement, c'est la première fois qu'on vole ensemble. Ouais. Donc il y a au mois d'avril, j'ai fait ma reprise avec Clément. Ouais. D'habitude toujours avec Pierre, par habitude et puis parce que voilà comme ça. Et donc là, ça pouvait pas se faire, donc c'est avec Clément. Je trouvais que c'était sympa aussi. Enfin, je le savais déjà, hein. J'avais déjà fait. Après, ouais, c'est juste une question de aussi, comme on vole pas souvent avec Pierre non plus, bah, c'est ces moments-là où on le fait. Donc là, cette année, ça n'a pas été possible, donc c'était très bien. Et je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, tu étais dispo, on a abandonné le truc, autant faire ça. Ouais, on a chacun nos dadas. Je connais pas celui de Pierre, je connais pas celui d'Antoine. Moi, je sais que je suis vachement focalisé ici, surtout en région parisienne, sur le survol des habitations, ouais. vu comment on se fait taper dessus. Ouais. Je mets vachement l'accent dessus et sur les survols d'habitation et justement maintien des préaffichages. D'accord. C'est mon truc. On a tous nos trucs. Bon, ben là on a perdu, je crois, et il va falloir tenir le manche. Et ça pue. Allez. Tiens, t'as un truc aussi à tenir. Ah, t'as vu, on l'a attaché tout ouais. à l'heure. Ouais. À
attache-les toujours du siège gauche, du siège commandant de bord. Ouais. Une fois, il y a un mec qui a essayé de décoller avec les commandes attachées, mais sur le siège de droite. Ouais. Il avait mal fait sa prévol. Ouais. Et les commandes étaient attachées à droite, il a essayé de décoller. Et puis il s'est dit, merde, j'arrive pas à tirer. Ah oui, d'accord. C'est pour ça, toujours les attacher à gauche. Ouais. Comme ça, lui... il avait loupé quand même pas mal de trucs avant. Ah oui, oui. Oh, il pue. Ça pointe, ça dégage. Bon, on va faire avec, hein. Je te laisse sortir, Jean-Luc. Je sors pas là ? Ouais, d'accord.